Bienvenue dans la magie des couleurs. Atelier numéro 2. La dernière fois, on avait vu qu'une couleur pouvait en devenir deux grâce au fond qu'il y avait derrière et on avait utilisé pour ça des t-shirts. Aujourd'hui, sur cette base, on va faire notre propre réalisation artistique. Mais de quoi allons-nous avoir besoin ? D'un bol avec de l'eau, deux pinceaux dont un plus gros que l'autre et le petit pour faire les finitions, de la peinture à l'eau et une feuille à papier, une paire de ciseaux, un critérium et un compas parce que mon père voulait faire des carrés mais moi, vu que je suis fan de foot, je vais faire des ballons. Et à la fin, on postera tous notre réalisation sur hashtag Albers4Kids. Et pour les fans des couleurs, cet atelier est extrait du chapitre 4. Voilà, maintenant on commence à peindre les fonds des couleurs des t-shirts qu'on avait choisis. Là, j'en suis à la deuxième couleur. Assurez-vous bien que la première est uniforme et après, je passe au ballon de foot. Le fond est fini, maintenant on va pouvoir passer au découpage des ballons de foot. Maintenant je commence à dessiner mes ballons de foot. Là j'ai fait une série de ballons et je vais les peindre en de différentes couleurs. Les couleurs sont prêtes, je vais commencer à les découper. Voilà, mes ballons sont prêts. Maintenant, voyons voir si une couleur peut en devenir deux. Alors dis-moi, quel est le jaune qui te paraît le plus clair ? Lui. D'accord. Maintenant, change de ballon. Alors Alexandre, quel est le ballon qui est pour toi plus clair ? Celui-là. Oh, il n'y a pas but là ? Alors, mets la dernière couleur. Maintenant, selon toi, quelle est la couleur la plus claire ? Celle-là. Ouais. Vous n'avez pas l'impression qu'on a encore été des magiciens des couleurs ? Faites comme moi et postez toutes vos réalisations sur hashtag Albert4Kids. Merci à tous et rendez-vous au prochain atelier pour la magie des couleurs.